Hello, hello Antoine. Salut. Salut Ali, coucou. Salut Mathieu. J'espère que vous allez bien, je suis très content de vous voir. Est-ce que déjà la technique marche? Parce que déjà, je crois que j'ai 1 minute de retard. Je suis très fier de moi parce que d'habitude je suis toujours à l'heure. J'ai pas mis en pause, j'ai juste mis un truc. Et comment tu fais après? Voilà. Allô? Là, il y a du son, non? Le son n'est pas bon. Comment c'est possible alors que j'ai mis le haut-parleur? Putain, tu vois ton truc, c'est vraiment de Mais la merde. j'ai mis un. Allô? C'est bon. Ah, c'est bon. Là, c'est mieux? Le son est bien? C'est bon. Oh, bonjour, bonjour Gaëtan, comment ça va? Moi, ça marche, c'est bien. Bon, allez, vas-y. Allez, vas-y, je fais mon concert. Alors, du coup, je garde ces oreillettes. Bon, je suis extrêmement content de vous voir. Très joyeux, c'est la rentrée des classes. On s'est tous fait couper les cheveux comme ça, nickel, impeccable. Très très bien. Et j'aimerais bien essayer de vous chanter cette chanson que je n'ai jamais chantée de ma vie, qui s'appelle Maquillage bleu. Alors normalement ça marche, c'est une chanson un peu de électronique, quoi, mais moi, vous voyez, je suis un gars acoustique, enfin je suis un gars du XXe siècle. Alors on va voir comment ça marche. Oh, maquillage bleu sur tes yeux. Tu ressemblais à Bardot en mieux. L'amour s'en va comme les cheveux dans le cuir de cette nuit qu'on se réchauffe un peu. Qu'on se réchauffe un peu. Est-ce que ça nous rajeunit de changer d'heure dans les bras du dépanneur? Ça bouge un peu, ça bouge un peu. Le mal de mer, on l'a partout sur terre. Oh, ça bouge un peu, ça bouge un peu. Le mal de mer, on l'a partout sur terre. Oh, porte opposée, vérifiée. Ceinture attachée, on rêvait du cosmos, on rêvait de brise-lames. On a eu Twitter, Victoria Beckham s'occupant de nos âmes, s'occupant de nos âmes. Sagan, Belmondo, c'est fini. Christophe en Ferrari, Hallyday, Johnny. Ça bouge un peu, ça bouge un peu. Le mal de mer, on l'a partout sur terre. Oh, ça bouge un peu, ça bouge un peu. Le mal de mer, on l'a partout sur terre. Un maquillage bleu sur tes yeux. Tu ressemblais à Bardot en mieux. Merci beaucoup. Ah ouais, bah c'est la première fois que je joue. Merci infiniment pour tous vos retours si gentils, si tendres sur cette chanson. Et oui, c'est une version un peu comme ça du début, quoi, de cette chanson. Mais j'aime bien ce qu'elle raconte, quoi. Je sais pas si vous avez des questions sur ce morceau ou pas de questions, ou juste trinquer avec vous. Moi aussi, je suis ravi. Bonjour Naeko, comment ça va? Est-ce que tu es encore en Corse? Oui, elle rend bien en acoustique. Tu sais, il manque juste le vocodeur. Et le seul truc, c'est que pour faire marcher avec le vocodeur, normalement, c'est un synthé qui dirige le vocodeur, tu vois. Et puis, il faut faire le dosage entre le son réel et le son
de la machine. Et là, j'aimerais bien trouver un système pour que la guitare puisse diriger le vocodeur, mais je pense que je vais trouver. Il y avait un mec qui s'appelait Pete Frampton. Ça s'est passé vraiment... Bon, qui faisait le truc. D'où est venue l'idée du nom? Du nom de quoi? Du nom de mon nom? C'est pas moi, c'est mes parents. Moi, j'étais vraiment... J'avais pas eu mon mot à dire, quoi. Ils auraient pu m'appeler n'importe comment, quoi. Bon, je fais d'autres chansons. Vous me dites si vous avez des envies, des choses, tout ça, ou pas d'envie. En tout cas, je suis ravi d'être avec vous. Fais gaffe, j'ai pas peur. Je t'envoie mon manager. Fais gaffe à l'amour. Un week-end en solo, un charter pour l'amour. Ça sonne comme la mort, tu vois, bebop, loula. Trop de blues dans le monde, de rhum en fleuve épuisé. Un low cost pour l'enfer. Un low cost pour l'enfer. Un pipeline traverse l'air. Sur les parkings, on attend comme des rats morts. Que le temps nous dévore, on attend. Attends, fais gaffe à l'amour, ça tombe dessus un jour sans t'es plus rien y faire. Fais gaffe, j'ai pas peur. Je t'envoie mon manager. Fais gaffe à l'amour. Un week-end en solo, un charter pour l'amour. Ça sonne comme la mort, tu vois, bebop, loula. Trop de blues dans le combat, de rhum en fleuve asséché. Un low cost pour l'enfer. Un low cost pour l'enfer. Un pipeline traverse l'air. Sur les parkings, on attend comme des rats morts. Que le temps nous dévore, on attend. Attends, fais gaffe à l'amour. Ça tombe dessus un jour sans que t'aies pu rien y faire. Merci beaucoup. J'arrive à chanter, jouer et lire, mais c'est très difficile pour moi, surtout qu'il y a deux écrans et vraiment j'ai qu'un seul processeur. Et encore, moi j'ai l'impression que le processeur est de moins en moins performant, peut-être. Mais oui, j'essaie de lire, de chanter, de jouer et en même temps de rester concentré sur mes émotions et sur mon courant de pensée. Vous savez, je lis ce livre absolument incroyable en ce moment de Emmanuel Carrère qui s'appelle Yoga. C'est irrésistiblement drôle et puis c'est beau, c'est profond. Je vous conseille ce livre, c'est trop beau. Ça parle de ça, de la méditation. Alors les pensées, quand elles... Parfois, vraiment, moi je fais du yoga, comme ça je me mets sur mon tapis et je me mets vraiment à penser à... Je sais pas, à répondre à mes mails ou à... Je sais pas. Bon, bref, des trucs vraiment très techniques, quoi. Mon carburateur, quoi. Et il faut pas se juger, il faut pas se dire « Je pense à mon carburateur alors que je devrais pas penser à mon carburateur, je devrais être dans le courant de pensée. » Il faut regarder la pensée du carburateur, la contourner comme si on était en 3D et puis la laisser filer. Super, hein? Yoga, ah ouais. Mais je suis très mauvais en yoga, vraiment, je suis plus que mauvais. Vraiment, j'ai la souplesse d'un homme de 91 ans, quoi. Non, c'est pas fini la boxe. Le prochain livre, ce sera en février ou mars. Ce sera... Oui, je peux lire les commentaires, grâce à mes lunettes. C'est mes lunettes bleues qui lisent les commentaires. Écoutez, alors, moi j'ai une petite chanson d'entrée pour vous, là. C'est une chanson... Pensez à la cour d'école. Tu dis que t'as pris une raclée. Dis-moi comment il pu rater ton œil. Mais tu as l'air mieux maintenant. Tu as l'air mieux maintenant. Venait juste d'avoir 10 ans et tu te moquais de leur force. Et regarde-toi à présent, on ne monte
contre jamais rien. Rien, rien, rien. Ils sont nombreux à vouloir notre bien pour finir notre éducation. Élevés comme des garçons, comme des garçons. Ils sont nombreux à vouloir notre bien pour finir notre éducation. Élevés comme des garçons, comme des garçons. Maintenant tu la ramènes-moi. Tu traverses la pièce sur la pointe des pieds. Tu as gagné le respect. Tu es un homme à présent. On ne montre jamais rien. À court de Doc Martens, c'est comme ça qu'on apprend. On ne montre jamais rien. Bien pour finir notre éducation, élevés comme des garçons, comme des garçons. Ils sont nombreux à vouloir notre bien pour finir notre éducation, élevés comme des garçons, comme des garçons. Merci beaucoup. Oui, les lunettes bleues, ça fait beaucoup de bien, quoi. Le mythe de la virilité, bon livre. Ah oui, je ne connais pas. Très bien. Je ne sais pas si c'est un message ou quoi, mais... Qu'est-ce que vous voulez entendre? Élevé comme des garçons. Ouais, t'as raison. Ça va bien avec cette chanson. Oui, c'est-à-dire que le c'est bien de continuer les lives, mais la saison des concerts, elle n'est pas encore tout à fait... Bon, moi, je pense que... Moi, je vais jouer au Bouffe du Nord en 2022. C'est pas tout de suite, mais par contre, c'est la salle que je préfère au monde. Je me rappelle, quand j'étais petit, j'avais un professeur. C'est rare, les professeurs qui changent votre vie. Mais moi, j'ai eu un professeur de français en première. Beaucoup de professeurs m'ont vraiment... Bon, et là, cette professeure-là, elle m'a emmené une fois voir une pièce au Bouffe du Nord, et plein d'autres choses, elle était magnifique. Et du coup, cette salle s'est ancrée dans ma mémoire comme l'endroit de, je sais pas, et du théâtre et du concert. À chaque fois que j'y vais, moi j'ai vu Depardieu jouer là-bas, ou j'ai vu Stéphane Echer avec ses automates là-bas. À chaque fois, c'était des concerts magiques. Et c'est quelque chose, quoi. C'est une salle qui se mérite, c'est une salle mystérieuse, elle est trop belle. Alors, qu'est-ce que vous dites? 1900, je l'aime beaucoup, mais elle est très triste. Hein. Il y aura des dates avant avril 2022. Oui, j'espère bien. Après, c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de... En tout cas, les festivals l'été prochain, ça c'est sûr. Enfin, c'est sûr, j'espère. C'est sûr, rien n'est sûr. Vraiment, vous savez, vous connaissez cette phrase, le mal de mai, on l'a partout sur Terre. Là, c'est vraiment... On avance comme ça, à tâtons. On est un peu dans la tourbe, quoi. Mais je sais pas. L'album, c'est au mois de novembre. Je ne sais pas exactement la date du mois de novembre. Je me suis avancé vers le 6 novembre. En fait, je voulais le sortir le 7 novembre, mais le 7 novembre, on ne peut pas sortir. Ce n'est pas une date de sortie d'album. C'est ou le 6, ou le 13, ou le 20. Mais donc, ce sera au mois de novembre 2000, de cette année, quoi. Ça, c'est sûr. Mais c'est sûr, rien n'est sûr. Mais bon, on espère. Vous dites quoi comme chanson? C'est bon aujourd'hui, pourquoi pas? Et pourquoi maquillage bleu? Maquillage bleu, c'est la première phrase. Maquillage bleu sur tes yeux, tu ressemblais à Bardot en mieux. C'est un message très personnel, mais j'aime bien, je trouve ça beau. Peut-être ça fait, c'est vrai que tu as raison, ça fait penser au vert bleu de Christophe, peut-être. Après, moi, j'ai écrit cette chanson bien avant le confinement. J'ai rajouté la phrase sur Christophe. Enfin, je l'ai enregistrée, mais j'avais écrit la chanson avant. Mais elle lui est pas dédiée, mais elle est dédiée à lui et à d'autres, quoi. Ouais, ce sera pour mon anniversaire, t'as raison, mais ça, on va faire profil bas, quoi. Elle s'appelait pas du tout Brigitte, ma propre. Je connais même pas son prénom, moi je l'appelais Madame, quoi. C'était notre époque, c'était vraiment à l'époque, vraiment, où... Tu sais, il y avait des... Bon.
XXe siècle, quoi. Je sais même pas de quoi on parle. Alors, qu'est-ce qu'on dit comme chanson? Ouais, vivement le mois de novembre, je suis d'accord. Le disque, il est très beau, quoi. Enfin, je crois que ça paraît très prétentieux de dire ça, mais il est très personnel, en tout cas, voilà. J'espère que vous l'aimerez, il est particulier. Il est très libre, en tout cas, voilà. Beau, je sais pas, mais il est très libre, et puis... bon, j'ai hâte que vous l'écoutiez. Ça me démange. Mais bon, vous savez, c'est le marketing, quoi. C'est comme commencer à monter sur scène et faire tout de suite son tube. Après, les gens veulent partir. Là, il faut quand même un peu... Alors, si je jouais une chanson au lieu de parler. Allez, Versailles, c'est marqué. Alors, Versailles, c'est là, tu vois. C'est très joli, la chanson. J'ai pas de mots pour toi, j'ai rien qui s'approche du bonheur de serrer tes doigts dans ma poche. De pencher mes yeux vers les tiens. Même si le monde est plein d'orphelins, d'être avec toi aujourd'hui. Même si les nazis meurent dans leur lit. Et qu'on n'a plus une thune en poche. Et que l'hiver approche. Quand les foyers sont tous complets. Mais je suis peut-être tombé de la lune. Et je te le dis, si ce monde tourne rond, et si je trouve à l'injustice une bonne raison, alors dis-moi, à quoi suis-je encore bon? J'ai pas de mots pour toi comme ils ferment leur cœur, leur porte et leur valoche. Allez, petits voleurs, on se paye un cinoche. Ferme ton col, il y a du vent, on cracherait dans la soupe, qu'elle en serait pas plus moche, c'est pas Versailles, année zéro. On vit pas dans les bois au chaud. Et j'ai la gueule de mon époque. Et toi, tu ressembles à ta mère. Mais je suis peut-être tombée de la lune. Et je te le dis, si ce monde tourne rond, et si je trouve à l'injustice une bonne raison, alors dis-moi, à quoi suis-je encore bon? Merci beaucoup. Merci. Alors, qu'est-ce que je peux vous faire d'autre? On fait encore une ou deux chansons, ça vous va? Merci, vous êtes trop gentil pour ma voix et tout ça, parce que vraiment, c'était pas gagné au début. Il est imprévisible et mal élevé. Ah, je t'en prie, Gaëtan. Moi, c'est trop gentil. Il est imprévisible et mal élevé. Une inédite non, enfin, pas tout de suite. Peut-être je vous ferai écouter la semaine prochaine une inédite. J'aimerais beaucoup, quoi. Je suis tellement impatient, mais faut pas être impatient. C'est le principe du yoga. C'est laisser les choses venir comme elles viennent. Vraiment, je vais vous faire chier avec le yoga, là, pendant très longtemps, je sens. Ah, batterie faible, tu vois. Il est imprévisible et mal élevé. Il redémarre des cendres. Comment ça marche, attends? Attends, je regarde les accords quand même. Comment ça marche? Il redémarre des cendres. Il est violent et tendre. Personne ne peut le casser ni le comprendre, cet amour. On essaie celle-là? Il est imprévisible et mal élevé. Il redémarre des cendres. Il est violent et tendre. Personne ne peut le casser ni le comprendre,
cet amour. Oh, personne ne peut le casser, ni le comprendre, cet amour. Il échappe au jugement, à la morale. Il s'enfuit parfois au printemps. Il revient sale et se cache sous la cendre, sous la neige. Personne ne peut le casser, ni le comprendre, cet amour. Oh, personne ne peut le casser, ni le comprendre, cet amour. Je le vois qui remonte encore la rue, avec son vieux par-dessus et sa voix cassée, des beaux souvenirs, des glaciers fondus. Il nous prend dans ses bras, nous dit qu'il ne nous lâchera plus, et tout disparaît au milieu de la rue. Personne ne peut le casser, ni le comprendre, cet amour. Oh, personne ne peut le casser, ni le comprendre, cet amour. Merci beaucoup. Une petite dernière chanson, comme ça, pour la rentrée. Parce que c'est la chanson du moment. Et puis parce que, pour qu'elle rentre bien dans ma tête et dans... Oh, maquillage bleu sur tes yeux, tu ressemblais à Bardot en mieux. L'amour s'en va comme les cheveux dans le cuir de cette nuit qu'on se réchauffe un peu. Se réchauffe un peu. Est-ce que ça nous rajeunit de changer d'heure dans les bras du dépanneur? Ça bouge un peu, ça bouge un peu. Le mal de mer, on l'a partout sur terre. Oh, ça bouge un peu, ça bouge un peu. Le mal de mer, on l'a partout sur terre. Et vérifier, ceinture attachée, on rêvait du cosmos, on rêvait de brise-lames. On a eu Twitter, Victoria Beckham, s'occupant de nos âmes, s'occupant de nos âmes. Sagan, Belmondo, c'est fini, Christophe en Ferrari, Hallyday, Johnny. Ça bouge un peu, ça bouge un peu. Le mal de mer, on l'a partout sur terre. Oh, ça bouge un peu, ça bouge un peu. Le mal de mer, on l'a partout sur terre. Oh, ça bouge un peu, ça bouge un peu. Le mal de mer, on l'a partout sur terre. Maquillage bleu sur tes yeux, tu ressemblais à Bardot en mieux. Merci beaucoup, merci infiniment d'avoir été avec moi ce soir. Bonne rentrée à tous. Merci encore pour tous vos bons mots sur cette chanson. Et si certains ont envie de la chanter ou de la reprendre, moi je serais très impatient d'écouter vos interprétations. Très flatté surtout que vous preniez ce temps. Et puis j'ai retrouvé dans mon téléphone une photo de moi et Victoria Beckham. Peut-être je vais vous la poster un de ces jours. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, 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 ciao.